Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de notre aventure sur The Left of Us partie 2. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti! Avec Schwarzy! Bah du coup on est dans la base. Et normalement je crois qu'on avait rendez-vous avec Monsieur Isaac. Au rapport. Salut vous deux. T'as quelque chose pour nous? Pas de mission. Vous devez juste aller voir Isaac. Tous les deux? Ouais. J'avais jamais vu autant de monde ici. Il y a quelque chose qui se prépare. On ferait mieux de trouver Isaac. D'abord, on doit s'assurer que Mel va bien. J'ai l'impression de voir que des nouvelles têtes. Et toi? Bonjour, Abby. Salut. Et amiga. Salut, salut, ça va? Ah, bah, je sais pas c'est qui veut me parler, mais t'attends. Bah, on a pas de points. Ah, salut. Abby, pour une fois, oh, c'est toi qui dois sauver, pas l'inverse. Et enfin, une seule fois. Bien, ça. Eh, toi, je t'aime bien. Bah nickel. Bon, de toute façon, on a toujours pas cette pièce. Abby, viens voir deux secondes. Oui. Ouais. À propos de votre embuscade, c'est arrivé où? Quelque part ici, près des entrepôts. Oh merde. Ils arrivent à passer sans qu'on les voie. Vous auriez pas vu Isaac? Il était là il y a quelques minutes. Ok, merci. On va le chercher. Bon, la bonne nouvelle. Je me suis bien amoché, hein, docteur? J'ai vu pire. Bon. Ne bouge pas. Hey. C'est pas possible. Ok. C'est une encore. Salut, toi. Tu vas mieux? Les antidouleurs font effet, alors. Ça va. Tiens un coup. La main, ça va? J'ai gardé la plupart de mes doigts. Je te connais pas, je m'en fous. Pas besoin que de trois. Bon, elle est où la madame enceinte? Je sais, Annie s'est chargée de lui. Il lui a brisé la nuque. Ouais. Tiens, quand on parle du loup. Ah, salut. Comment tu te sens, Mel? Encore quelques points de suture et je serai comme neuve. Vous pourriez m'aider à convaincre cette fille de se détendre? Eh, hey, Mel. Détends-toi. Pigez. Dites, j'ai besoin de bras, alors vous pourriez me donner un coup de main? Bien sûr. Tu bouges pas, hein? Je reste là, t'inquiète. Je me détends. Nora, est-ce que t'as pu te reposer un peu? Oh, je pars bientôt pour l'hôpital du quartier ouest. Les ordres, c'est de tout récupérer. Comment va Mel? Réellement? Les signes vitaux du bébé sont un peu élevés, mais... je suis pas inquiète. Il faudrait prévenir Owen. Il voudrait être auprès d'elle. Ouais. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est-à-dire? Suivez-moi. Oh putain. Ce sont des gens de chez nous? Ouais. Et il en arrive sans arrêt. Ne dites rien à Mel, ok? Nora. Enfin, pour l'instant. Venez. Y a qui là-dedans? Putain de merde, c'est Dani. Où est Owen? J'en sais rien. Il y a quelques jours, on a repéré des scars près de la marina. Dani et Owen sont allés jeter un œil. Et ce matin, les gardes ont retrouvé Dani effondré près de la clôture. Il s'était traîné jusqu'ici, avec une balle dans le ventre. Pincheska, hijos de puta. Isaac est resté avec lui jusqu'à la fin, mais... autant que je sache, aucune unité n'est censée y retourner. Et sinon, pour Owen?
T'as demandé à Isaac où il était ? Oui, j'ai essayé. Mais il m'a lancé un regard de tueur et il m'a dit d'en parler à personne. Du coup, c'est valable pour vous aussi. Owen sait se défendre. Je suis sûr qu'il va bien. Oui, Isaac. Je serai discrète. Aux dernières nouvelles, il était dans l'immeuble. Bon, faut que j'aille m'occuper de Mel, alors. Tenez-moi au courant, ok ? D'accord. Merde. Pourquoi Isaac a pas envoyé des squads à la recherche de Owen ? Peut-être qu'il l'a fait sans le dire à Nora. J'espère que c'est ça. Et ouais, mon petit gars. N'empêche leur camp, il est incroyable, il y a du monde, hein. On cherche Isaac. Il est à l'intérieur. Allez-y. Puis c'est pas comme le camp Jackson, celui-là de Joël. Là, on a l'impression que vraiment tout le monde se connaît, c'est de la famille. Pas le temps. Viens voir Isaac. Tant pis pour toi, primeur. J'y peux rien si je fais du super boulot. Mm-hmm. Allez, à plus. Il n'y a rien à récupérer. Alors que dans l'autre camp, au final, on voit qui Tommy, Joël, Ellie, Gina, Jess et Mario, quoi. Mais il n'y a personne qui se dit « Hey, ça va toi ?» Oh, me manque pas. Alors qu'ici, bah, tout le monde se parle. Ce que je déteste, cette odeur. Après ce matin, j'ai bien envie de leur régler leur compte. Tu m'étonnes. Salut, Abby. On doit monter. Isaac est là-dedans. Ah. Il en a pour longtemps. Il voulait justement vous voir. Venez. Monsieur, Abby et Manny sont là. Pas s'endormir. Compris. Venez avec moi. On m'a dit que vous aviez eu des problèmes tous les deux. Rien de grave de notre côté. On a eu que quelques blessures. Contrairement à nos ennemis. J'aimerais entendre ça plus souvent. J'ai jamais vu autant de monde à la base. Et on est loin du compte. J'attends encore d'autres unités. Qu'est-ce qui se passe, chef ? Cette petite guerre a assez duré. Ça peut pas continuer comme ça. Alors, quoi ? On pourrait retenter une trêve. Mais tôt ou tard, un connard finira par tout foutre en l'air. Et ça peut venir de leur côté comme du nôtre. Non. Il ne doit en rester aucun. On a déjà essayé d'attaquer leur île et... Pas comme ça. Pas avec tout le monde. Il y aura une tempête dans quelques jours. On pourra les approcher discrètement. Vous deux, vous mènerez le premier assaut. Faites vos équipes. Préparez-vous. Je veux Owen. Il revient quand, avec Danny ? Qui te l'a dit ? Nora ? Je vois que les gars de Salt Lake ne gardent pas de secret entre eux. Owen va bien. Autant que je sache. Alors, pourquoi ?
Pourquoi personne n'est parti à sa recherche? Il a tiré sur Danny. Apparemment pour protéger un Scar. C'est des conneries. Excuse-moi. C'est pas son genre. C'est une erreur. Tu crois que Danny aurait utilisé son dernier souffle pour me mentir? Monsieur, si les autres l'apprennent, Owen est mort. Le premier qu'il trouvera le tuera sans hésiter. Dans ce cas, je vous conseille de pas jouer les commères. Laissez-moi y aller. Je vais le ramener et on tirera tout non. ça. On a quelques jours avant la tempête. Non. Cette chance ne se présentera qu'une fois. Et c'est plus important que tout le reste. Bien plus important qu'Owen. S'il revient, alors soit. Je lui laisserai le bénéfice du doute. Et on tirera cette histoire au clair. J'ai besoin de toi, Abby. Ok? Ouais. D'accord. Bien. Jetez un œil au plan et choisissez votre équipe. Prenez des vivres. On se voit plus tard. Owen n'aurait jamais tué Danny pour un Scar. Hein? Quoi? Non. Abby, reste ici. Je serai revenue avant l'aube, couvre-moi jusque-là. Isaac va te botter les fesses. Pas avant l'attaque. Il a dit qu'il a besoin de moi. Si Owen est encore en vie, comment tu vas faire pour le retrouver? Je sais où il ira. Arrête, merde! D'accord. Viens à côté de moi pour admirer ce beau paysage. C'est joli. Vraiment joli. Non. Allez. On est arrivé jusqu'ici. Et toi, tu veux laisser tomber si près du but? Ouais. Ouais, j'avais promis de monter. C'est fait. Bon, voilà ce qui va se passer. Tu vas ramener ton cul de ce côté. T'asseoir sur le bord, ou ici, sur le siège pour les petites filles. Et on va admirer le paysage. On peut pas rater l'entraînement. T'es sûr? Même pas pour une seule nuit? Non. On peut en parler? Il est tard, Owen. Ouais. Oh, ok. Non! Non! Arrête, c'est trop! Oh putain, t'as raison! Tu sais, je vais pas pouvoir continuer comme ça, Abby. Owen, arrête ou je vais rompre avec toi. Owen! Je t'ai toujours aimé! Non! Owen! Abby! Je suis là, espèce d'enfoiré. T'as sauté? Et j'ai raté ça? J'ai cru que tu t'étais noyé. Et tu es venu me sauver? Non. Je voulais voir si t'étais bien noyé. J'ai trouvé quelque chose de génial. Quoi?
Si tu veux le savoir, tu vas être obligé de me suivre. Bon bah, on part sur un épisode détente. Owen. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il faut pas virer des lucioles paumées qui ont nulle part où aller ? Peut-être. Je préfère pas le savoir. Zéro combat, que de l'amour. Inspire à fond. Attends-moi, Owen. Je t'aime. Ferme-la. Regarde un peu ce bébé, là. J'ai vu un phoque il y a pas longtemps. Avec des petites taches partout. Ils ont pas de taches, ils sont bruns. Ça, c'est les lions de mer. Non. Non, tu connais rien. Je sais ce que j'ai vu. Je suis pas aveugle. Ok, salut. Tout seul, on soulève la barrière. Allez. Donne-moi un coup de main. Ok. C'est bon. Vas-y. C'est quoi cet endroit ? Bah, on dirait que c'est un genre de théâtre, mais pour les poissons, quoi. Tu te prends pour un coq ? Quoi ? Je fais le loup. C'est mon cri de wolf. T'es rigolo, Owen ! Tu crois que ce bateau faisait partie du spectacle ? Non, on dirait plutôt que quelqu'un s'est bricolé un genre de bouquet d'amarrage. Il y a des vêtements d'enfants. Il y avait une famille ici. Ah, regarde ces dessins. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ils ont peut-être rejoint les wolves. Ouais, ou des scars les ont tués. Toujours aussi optimiste. Ouais, et... Allez, on a fait le tour. Oui. Continue à visiter les eaux des poissons. Tu crois qu'il y a autre chose ? Bien sûr. On y va. Et ben là-bas. Par là. Aide-moi à monter. Ouais. Viens là. Ok. Oh, la vache, t'es balèze. J'ai soulevé 90 kilos hier. Dans tes rêves. Oh bah tu t'y. Bon, on jette un coup d'œil rapide et après. On rentre direct. Mais non, y'a rien. Oh la vache.
On voit pas ça tous les jours. Cet endroit est incroyable. La vitre fait quelle épaisseur? C'est un aquarium dans le sol. T'imagines cet endroit rempli de monde? Avec des enfants qui couraient partout. C'est un autre monde, hein? Eh oui, c'était le bon vieux temps. Bon, je sais pas, on va aller voir les portes. Hein? Tu crois que c'est les gens du bateau? J'imagine que c'est eux, ouais. Fermé. Chez Max. Ouais, j'avais bien vu le document. J'ai tout lu. Y'a rien. On peut pas passer par dessus. Bon, bah, y a un étage. Premier arrivé. Il faut absolument qu'on amène les autres ici. C'est ça, en les incitant à désobéir eux aussi. Tu trouves pas que ça valait le coup? On verra si on se fait engueuler en rentrant au camp. Ha! T'adores cet endroit. La ferme. Alors, est-ce que j'ai droit à Owen? Raison. Merci de m'avoir traîné dans ça. Oh, ouais, il y a un cadavre. Je crois qu'on a trouvé le capitaine. Merde. Les enfants sont allés rejoindre Nescar. Bordel. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les clés. C'est quoi ton problème? C'est un squelette, il en a plus besoin. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse volontairement rejoindre Nescar. Pourquoi? Parce que c'est une secte à la con, c'est tout. Bah, non, les zones de quarantaine et du sol sont... C'est des lits plutôt sympas. Une petite banquette, un matelas, c'était bien. On n'était pas fanatiques. On faisait sauter des postes de contrôle et on tuait des soldats. C'est pas pareil. Il y a un arme, c'est... De dire ce genre de conneries au stade, ok? Ok, d'accord. Ça va. Allez, allons chez Max. Avance, je te dis! C'est toi qui as les clés, hein? C'est le moment de sortir les clés. Ah ouais. Celle-ci. Non. Voilà. C'est bon. Oh. Ça a dû prendre une éternité de peindre ça. Découverte du grand large. Ouais, de toute façon, je vois pas pourquoi je m'embête à faire le tour des trucs. Y a pas de ressources. On t'avance ou quoi? Me dis pas qu'on va descendre par là. Allez. Owen. Après, j'arrête. C'est promis. Promis. Évite de... regarder en bas. Oh... Descends.
Ça va aller. Regarde ça. J'aimerais trop rencontrer ce gamin. Bah... c'est un Scar. Tu l'as peut-être déjà rencontré. Oh, la vache. J'espère que non. Wow. Allez, amène-toi. Je suis moche. Je suis moche, c'est ça? C'est mon corps qui te dégoûte. Allez, Abby. Je suis désolée. T'as pas à t'excuser. Qu'est-ce qui va pas? Je sais qu'on a suivi toutes les pistes possibles, mais... mais Joël est là, quelque part. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait? On y retourne. On arrivera pour l'entraînement. Bon. Vas-y, toi. Et toi, alors? Je vais regarder les phoques un petit moment. Je suis désolée. Je viens de te le dire. Ne t'excuse pas. Et si Owen s'était caché ailleurs? Il est là-bas. Allez, tirons-nous d'ici avant de se faire repérer. Il y a moyen que tu changes encore d'avis? Eh ben, c'est une drôle de relation qu'ils ont quand même. Je sais pas ce qui s'est passé. Il faut que je le retrouve. Enfin. Ouais. S'il a vraiment tué Danny. On s'en fout de Danny. Je suis jalouse qu'Owen l'ait buté avant que je m'en charge. Je me rappelais pas qu'on partait avec Manny. Écoute, Manny! Hein, voilà. Nous, on va arrêter cet épisode-là, les amis. Parce que, bah là, du coup, on va partir un petit peu en mode exploration dans la ville, tout ça, tout ça. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Et vu que j'aime pas faire durer les vidéos, une demi-heure, c'est pas mal. Même si des fois, on pousse vers les 50 minutes. Je trouve ça un petit peu chiant. Du coup, bah, on va arrêter là, comme je l'ai dit. Et on se revoit dès demain à 17h pour la suite de l'aventure. Et cette fois, l'épisode, il sera un petit peu plus intéressant. Hein, parce que là, les explorations, ça sera mieux. Il y aura du fight, je pense. Et voilà. Même si on aime bien les cinématiques, tout ça, on en apprend un peu plus sur les personnages. Ça reste un petit peu moumou. On va pas se mentir. Bah, du coup, bah, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. C'était Willy. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.